We are here in Vatry for the shipment of the toroidal field coils of the JT60 project. F4E, as for other parts of the project, is coordinating the activities, and in particular, in this case, has been contracting the air for the execution of the transport. JT60 SA est un tokamak pour la fusion nucléaire, un petit ITER qui est en construction au Japon et pour lequel le COA avait un certain nombre de tâches. Voilà, ces bobines font à peu près 7,50 m de long par 4,50 m de large et donc font donc 16 tonnes. Donc après la partie assemblage mécanique où on lui associe sa structure qui fait 5 tonnes, l'objet fait 21 tonnes et il est mis dans un châssis qui fait lui-même une dizaine de tonnes. Il est très lourd parce qu'il est extrêmement rigide pour éviter justement les déformations de ces structures assez élancées pendant le transport et les manutentions. Donc tout ça est mis dans ce colis qui fait donc à peu près 9 mètres de long par 5 mètres de large et qui fait 31 tonnes à l'arrivée. Les 16 premières bobines sont parties par voie maritime et les deux dernières bobines partent par avion. Et une fois au Japon, les deux dernières, donc par avion, sont aussi transportées en fluvial puis en maritime avant d'arriver à Naka. Ce sont des colis vraiment exceptionnels. Ce qu'apporte derrière, c'est une expertise et une expérience depuis de nombreuses années dans le transport de ce type de colis. Il a fallu travailler énormément sur tous les aspects de sécurisation du fret à bord de l'avion pour les phases de décollage et d'atterrissage. Ce qui a été complexe aussi, c'est les conditions météo qui ne nous ont pas aidés et qui nous ont jusqu'au dernier moment fait craindre de ne pas réussir à être atteint sur Vatry. C'est un transport multimodal, il y a de nombreux acteurs à piloter. La clé de la réussite de cette opération, c'est de coordonner l'ensemble des acteurs pour un transport multimodal.